Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ok, le peuple du Sahel, le peuple du Niger, le peuple du Burkina, le peuple du Mali, bonsoir et bonjour là où vous êtes. Voilà, je suis venu aujourd'hui parce que je viens de voir une vidéo postulée par Abdou Tarka. Abdou Tarka, Tarka en sorel, ça veut dire le menteur. Abdou Darga veut dire le trompeur. Un général au Niger, qui est même dans ses propos, il n'a même pas confiance de l'engagement qu'il a fait. Puisqu'il vient de dire que non, ils ont des alliés, mais s'ils échequent, c'est eux qui ont échequé, ce n'est pas les alliés qui ont échequé. Si tu sais que tu allais échequer, et puis si tu sais déjà que tu vas échequer, parce que le peuple du Mali, le peuple du Niger et le peuple du Burkina, c'est un seul peuple. Si tu ne connais pas l'histoire, je vais t'expliquer. Tu prends des Sokoto qui est au Nigeria jusqu'à venir au Burkina et au Mali, le Niger, c'est une seule famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peuple que vous ne pouvez jamais les diviser. Le Niger a plein de millions et des millions de frères directs au Burkina et au Mali. Tu prends des Kanchari, Torodi, Tera, tu vas, tu montes jusqu'à Labzanga, tu vas jusqu'à Zabaganda, qui est vers Walam. C'est une seule famille. Écoute, je vais te dire quelque chose qu'il faut comprendre. Regarde même les tenues que j'ai mis. Regarde, c'est la même culture, c'est le même peuple, c'est la même famille. Mais un général qui s'assoit pour parler de futilité, tu ne vois pas comment on tue les Nigériens? Tu ne vois pas comment on tue le peuple du Burkina, le peuple du Mali? Ça ne te dit rien! Puisque un général, ça ne te dit pas, oui, ça ne doit pas te dire parce que déjà ton frère qui est décédé, et tu as pris, tu as détourné son bien, tu as laissé ses femmes et ses enfants. Bon, dans les normes même, toi, on ne devrait même pas te parler. Et c'est bien qu'on t'envoie parce que tu es quelqu'un qu'on envoie qui ne sait pas s'envoyer lui-même. Voilà. Donc, pour te dire que tu ne peux pas nous mélanger, je vais te dire quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. Mali est dirigé par un fils autochtone du Mali. Ça veut dire quoi? Goïta peut te présenter la cour de son père, la cour de son grand-père, que ce soit paternel ou maternel. Ibrahim Traoré peut te le faire. Tu as compris? Donc, ce peuple-là doit avoir pitié de leur peuple, parce qu'ils savent déjà, il ne faut pas oublier la descendance d'Ibrahim Traoré, il ne faut pas oublier aussi la descendance de Goïta, il ne faut pas oublier, ce que je vais t'expliquer quelque chose que tu devrais comprendre. Ces peuples-là, ils sont unis. Tu prends depuis autant de Yori Hamani, tu prends jusqu'à Hussein Kounti, jusqu'à ça va venir jusqu'au votre dernier président, qui est Tanja. C'est les fils du pays qui ont dirigé le pays, qui n'ont pas mis le pays dans la guerre, qui n'ont pas semé de la pacotille pour leur peuple, parce que c'est un seul peuple. Tu as connu Barré. Tu as oublié que Barré, sa maman était de Dori. Tu as oublié? Tu as oublié que Boubou a étudié à Dori? Attention. Tu as oublié que Yori Hamani même, il a fait Dori? Mais quand on ne connaît pas l'histoire et on est politique, on essaie de semer du désordre. Échequer là, vous allez échequer, c'est obligé. Échequer là, c'est une obligation pour vous que vous allez échequer. Parce que ces peuples-là, vous ne pouvez pas les... Toi, tu n'es pas, vous ne pouvez même pas les déstabiliser. Vous ne pouvez pas.
Tu as entendu ceux qui ont applaudi là? Et l'autre qui crie, ça dit qu'il voit que tu es un faux. Les applaudissements vont en sens inverse. Ça veut dire, et même il s'est moqué de toi. Il s'est moqué de toi. Tilaberi, Ayaro, Tera, Djaguru, Tipa, Torodi.